We make the streams louder. Bon, bah, j'étais en train de bosser, sauf que j'ai pas commencé à filmer. RS3, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais installer des ressorts courts. Donc, j'ai déjà fait un côté. J'ai pas. Dans mon truc et j'ai pas fait gaffe que je filmais pas en fait. Donc ressort court arrière, ressort court avant, démontage du pare-choc, nettoyage de l'échangeur, remontage intégral et si j'ai le temps, essai routier. Donc voilà, allez. Donc là je vais retirer la vis de l'amortisseur ici, je viens comprimer le ressort au maximum et on sort l'amortisseur, enfin le ressort plutôt. C'est Speedline qui fait les jantes pour Audi, c'est marrant. C'est vieux Speedline. Et là. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything. Voilà. On va installer l'autre maintenant. C'est parti. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Donc pour l'avant, on débranche le capteur qui est sous l'amortisseur. Ça c'est une technologie, ils appellent ça magnetic ride. C'est que l'huile qui est à l'intérieur apparemment est chargée en particules magnétiques. Et en fait niveau tenue de route et tout ça, apparemment c'est 10 fois mieux quoi. C'est une nouvelle technologie qui est plutôt pas mal. Donc là tac, voilà. On va mettre les tris de côté. On va l'attacher sur le triangle qui est là-bas pour pas trop que ça tire sur le flexible, en plus c'est de la durite aviation. Ça, rotule de direction, les trois vis du triangle en dessous je les ai pas serrées. Ensuite on enlève les coups de cardan, il est déjà enlevé, et on descend tout l'amortisseur complet avec le moyeu, et puis je vais faire ça par terre, comme ça c'est bien plus simple que de faire ça et de laisser le moyeu en place. Là c'est parti. Donc moi je fais ça hors caméra, de toute façon il y a trois vis en haut, il y a, comme je t'ai expliqué là, la billette de bar stable à démonter de l'amortisseur. Et puis allez go, une fois que j'ai démonté les deux amortisseurs, je te reprends. Bon bah voilà, comment j'ai procédé. Donc je vais le laisser sur la table qui est là, enfin moi, ma table j'en suis amoureux. Mais comme ça t'es pas obligé de démonter tout le... Là je fais pas juste le remplacement des amortisseurs, je fais juste le remplacement des ressorts.
Donc là, je vais mettre la pince, écraser, enlever la coupelle, le ressort, enfin tout, hop, remettre le nouveau. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it. Donc le pare-choc déposé, il y a une vis ici à démonter. Bon, rien du tout. Il y a une vis ici à démonter là. Une vis qui est tout au fond là-bas. T'as une vis là, une vis là, une vis là. T'as 3-4 vis en dessous. Et t'as pareil de ce côté-là. Ensuite, pour démonter les changeurs, du coup, bah, les vis qui sont là. Ça fait office de traverse avant. Une fois que c'est démonté, bah, je te reprends pour le nettoyage. De la RS3, donc on va aller faire un petit essai. Ça fait plaisir de pouvoir enfin l'essayer. Là, par contre, juste pour avancer un peu, j'ai jamais vu une RS3 avec des sièges électriques, jamais. Jusqu'à ce que jusqu'à présent, j'ai vu que des sièges manuels. Bon, ça, c'est les ressorts qu'il y a dans l'arrière, enfin les ressorts d'origine plutôt. Ici.
pas si t'entends les ressorts qui se baladent à l'arrière là. Et je l'ai lavé, elle est toute belle, toute propre. Je pourrais pas te faire voir évidemment. RS3 8V2 400 chevaux, donc pour le moment tout se passe bien. Bon, il y a une géométrie à faire évidemment, le propriétaire voudrait s'en charger lui, et j'ai un petit bruit à l'avant gauche quand je braque uniquement à gauche, pour tourner à gauche quoi, dans un rond-point ou même en courbe, ça fait un toc 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 toc, toc comme si il y avait un truc qui frottait dans le pare-roue. Mais vu que je l'ai rabaissé, qu'elle a pas d'écale encore, est-ce que ça serait pas ça? À voir. En tout cas, elle marche super bien. Il y a une vibration dans la ligne. On l'entend. Ça fait un... Alors le propriétaire m'a expliqué que c'était tout à fait normal. Par contre, c'est hyper désagréable aussi, ça le saoule. Il m'a expliqué que c'était tout à fait normal, c'était parce que sur les RS3, quand il y a un décata, et ben c'est la wastegate qui vibre. En fin de compte, moi j'en ai conclu que vu que. Puis normalement ça se gère dans la carto, tu vois. Enfin, c'est ce qu'il m'a expliqué le propriétaire, normalement, un bon mapper il sait régler ce souci là. Et en fait, moi j'en ai conclu que vu que la ligne était beaucoup plus vide, il y avait moins de contre-pression. Et en fait, la wastegate elle faisait un peu ce qu'elle voulait quoi. Et du coup, ça fait une vibration quand t'es un peu dans le couple à 2500 tours par là. Non, même pas, tu vois, je suis à 1500 là, ça commence à le faire. 2000 tours pareil. Donc c'est vachement désagréable, mais ça sera réglé parce qu'il emmène la voiture. Mais le bloc a cassé parce qu'il y avait une mauvaise gestion tout simplement. Et du coup, il l'emmène chez un spécialiste Audi en région parisienne là. C'est chez KSF Motorsport qu'il l'emmène. Et le gars lui va lui régler tous ces soucis là de wastegate qui tremble. Et lui fait une bonne carto cette fois-ci. Parce que là elle a 510 chevaux pour 720 Nm de couple. C'est énorme. Parce que ces voitures là apparemment stock comme ça, 680 c'est le max quoi. 660, 680 c'est le max. Là il y avait 720, tu m'étonnes que pied au plancher, sortie de rond-point. Il a cassé le moteur à 2300 tours, j'ai vu la valise. Perte de pression d'huile à 2300 tours. Donc il y avait tout le boost là, à cet endroit là, à ce niveau là. La bielle elle a pas aimé, elle a plié, puis voilà. Donc tout ça sera remis à jour par une bonne carto.
Là je roule avec, j'ai pas de bruit, j'ai rien, le train se comporte plutôt bien et tout, j'ai juste ce toc 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 qui se passe. Et puis ce bruit de la ligne, bon, ouais, qui était déjà là avant, qui est normal, mais qui sera réglé par la suite. Donc voilà, je peux pas, qu'est-ce que je voulais, je peux pas dire autre chose que ça. Là je vais la monter sur le pont, j'arrive au garage là. Je vais la monter sur le pont pour voir s'il n'y a pas un truc qui freine dans le pare-brise. Des fois que j'aurais mal remis le pare-brise, c'est possible aussi. Et puis bah, s'il n'y a rien, bah, je vais essayer de voir ce que ça peut être. Hein. Moi, quand j'ai regardé tous mes rushs, parce que j'ai pas remonté sur le pont depuis. Je l'ai pas remonté sur le pont depuis pour voir ce qu'il y avait. Quoi. Mais bon, quand j'ai regardé mes rushs vidéo, bah, j'ai vu que tout était serré. Enfin, j'ai contrôlé deux fois mes serrages, donc je crois qu'on va voir. On va voir ce que ça peut être. Mais c'est depuis que j'ai posé la voiture par terre. Parce que apparemment avant, quand il y avait les ressorts courts, ça le faisait pas. Enfin, quand il y avait les ressorts normaux, ça le faisait pas. Et c'est justement là quand j'ai monté les ressorts courts, apparemment ça le fait. Donc peut-être qu'il faut une paire de cales pour éviter que ça frotte. Mais c'est bizarre, ça fait que quand je tourne à gauche. À voir. Donc là, j'arrive au garage et puis je regarde ça tout de suite en la montant sur le pont. Donc voilà. Je sais pas si on l'entend. Voilà les petits gars, si j'ai des nouvelles concernant le bruit du train avant là, bah, je t'en fais part. Allez, à toutes. Écoute-moi ce bruit. Là je suis à 3500 tours. Bon, on va récapituler un petit peu sur la RS3. Donc sur cette voiture là, je vais récapituler du début jusqu'à la fin, là-bas, elle est terminée depuis longtemps. Exactement. Donc trou dans le bloc, mauvaise gestion. Et du coup, je remonte tout. Tout s'est très très bien passé. Donc au montage, j'ai dû foirer une durite d'essence que j'ai pas fait gaffe. Donc fuite d'essence. J'ai remis une durite d'essence dessus qui a lâché. Ça c'est de ma faute, c'est parce qu'en fait j'ai mis une durite qui était non tressée à l'intérieur, non renforcée. Donc bah, avec la pression d'essence, pourtant c'est de la basse pression, parce que c'est dessus tu as deux rampes d'injection, tu as la haute pression, la basse pression. La basse pression, c'est des petits injecteurs en fait qui pulvérisent enfin, au niveau des soupapes, et ça évite vachement l'encrassement des soupapes. Ça, et du coup bah, j'ai redémonté l'admission supérieure en haut avec les vis là, pour rechanger cette petite durite là qui est pas très très facile, enfin elle est accessible mais elle est vachement courte, donc du coup t'as pas de débattement, tu sais, pour l'enlever et la remettre. Donc j'en ai remis une correcte cette fois-ci, et donc ça c'était bon. Et ensuite qu'est-ce que j'ai eu d'autre, donc j'ai le bruit dans les échappements là, mais bon, qui va être solutionné par la cartographie, parce qu'un bon mapper arrive à solutionner ce problème là de wastegate qui vibre qui vibre quoi, à cause du décata. Et qu'est-ce que j'ai eu, ah oui, donc dans la vidéo tu verras à un moment donné, enfin t'as vu plutôt, je suis en train de faire les amortisseurs avant, et puis après j'ai fait une coupure. Ça, en fait c'est pas moi, c'est que je suis très très mal organisé, j'ai plus de batterie encore une fois, j'ai plus de mémoire à un moment donné, enfin donc le claquement, le toc 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 toc, en fait c'était moi qui n'a pas assez serré le roulement dans la coupelle. En fait j'ai serré ça en tout, pas assez fort en fait. Et en fait au serrage j'ai dû faire ça. Tu vois, vraiment un tout petit peu plus de serrage qu'il n'en fallait. Et ça arrêtait de vibrer. Enfin dès que je prenais un virage, en fait l'amortisseur devait faire ça. Tac, 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 tac. D'ailleurs je vais te passer la séquence où on entend bien le jeu. Donc imagine là comment tu vas l'entendre et comment je l'entendais dans la voiture. Enfin c'était un truc de fou. En fait, il fallait juste un tout et ça, comme ça. À peine, enfin, c'est même pas si c'est 45 degrés de serrage en plus. L'important, c'est que ça soit résolu.
Et à gauche, enfin à côté droit, j'avais regardé. J'ai remis. Enfin, j'ai reforcé pareil, j'ai remis un bon coup de clé pour éviter que ça fasse la même chose. Donc voilà. Et puis, mis à part ça, j'ai pas eu de problème particulier. Non. Donc voilà, je voulais te résumer un peu comment on appelle ça, tout le projet de cette voiture. Donc juillet-août, accrochez-vous parce qu'il va y avoir quand même pas mal de vidéos. Moi, je prends pas de vacances, je prends jamais de vacances quasiment. Et du coup, il va y avoir pas mal de vidéos, dont une vidéo qui me tient vraiment à cœur, qu'il va falloir que je vous fasse. Et j'espère que certains d'entre vous seront contents. Donc voilà les petits gars. Moi, je vous laisse sur cette vidéo-là. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand, puis on verra ce que c'est, sur quoi c'est. Donc voilà les amis, ciao tout le monde.